Allô? Excusez-moi. Y a-t-il un casino dans la salle? Non, ok, c'est bon. Parfait. Donc, je vais juste m'assurer que. Bon, ok. Bonsoir. Mon nom est Pierre-Alexandre Desrochers et je suis le président du club scientifique Rockets de l'École de technologie supérieure. Pour moi, ce soir, c'est une grande soirée. Je me présente à vous pour la troisième et dernière fois. Pour vous remettre en contexte, lors de la dernière compétition de l'IREC, changement de diapo, nous avons très bien performé. Nous sommes même revenus avec une deuxième place dans la catégorie avancée. Nous en sommes très fiers. Nous sommes revenus fiers, mais un peu tristes d'avoir appris que seulement 0,7% nous séparait de la première place. Pour vous donner une idée de l'ampleur de notre préparation, je vais vous présenter un petit vidéo récapitulatif de l'IREC. Bon. Chez Rock.
Bonjour, OK. Donc, chez Rockets, notre mission, c'est avant tout de promouvoir, de créer et d'innover dans le domaine aérospatial. Pour ce faire, oui, à chaque année, on participe à une compétition d'ingénierie afin d'évaluer la progression de nos projets. Mais il est tout aussi important pour nous de transmettre cette connaissance qu'on a acquise, de partager notre passion. C'est pour ça qu'à chaque année, on participe à de nombreux événements, autant des événements auprès des industries, des entreprises, que du grand public, un peu comme aujourd'hui. Afin de faire véhiculer notre message, l'avenir du domaine aérospatial va être dessiné par les jeunes d'aujourd'hui. Je vais vous présenter une autre vidéo, en espérant qu'il va partir, sinon on va le partir autrement, qui est un récapitulatif un peu de ce qu'on fait pendant l'année, un peu de voir notre quotidien, donner une idée aussi de l'autre côté de la médaille. À chaque dévoilement, je me fais un plaisir de parler des défis que nous avons relevés tout au long de l'année. Cette fois-ci, il ne fera pas exception. Cette année, nous voulions simplifier notre assemblage. Nous voulions diminuer le nombre de pièces mobiles. Nous l'avons fait. Nous avons construit une structure. Nous avons réimaginé la baie électronique. Nous avons construit une structure en composite, telle une poutre profilée en H arrondi. Nous voulions réimaginer aussi notre électronique. Certes, celle-ci est plus volumineuse que celle de la précédente année, mais nous l'avons incroyablement améliorée. Nous avons, premièrement, amélioré sa fonctionnalité. Nous l'avons rendue aussi modulable. Donc, les prochains projets des prochaines années vont pouvoir être amenés sur cette électronique. Nous avons conçu deux systèmes d'éjection des parachutes. L'un utilisant du CO2, et des technologies telles des pièces en acier inoxydable et en titane imprimé 3D, mais aussi, on a développé un système utilisant la même technologie que les coussins gonflables des automobiles. Donc, on va essayer deux petits trucs. C'est ça, j'ai sauté une petite section. Je trouvais ça bizarre aussi. Je vais terminer ce qu'on a fait, puis après ça, je vais vous parler de pourquoi on a fait ça.
Donc, au lieu... Donc, prochaine. Au lieu de changer... excusez. Donc, niveau système de recouvrement. Cette année, on a été chercher, on a voulu dépasser les limites, on a voulu oser plus que ce qu'on était habitué de faire, plus que les équipes en général sont habituées de faire. Certes, on a un parachute cette année qui est capable de déployer à la vitesse du son, mais on s'est attardé aussi à un problème en fusée nautique. Au lieu de marcher 1, 2 ou même 20 km afin de retrouver notre fusée, on a décidé cette année qu'elle allait revenir par elle-même à côté de nous autres. On a développé un système autonome, autonome et guidé, qui va diriger la fusée sur une coordonnée GPS bien précise, et on le fait. Finalement, on a développé, on a prototypé, puis on a fabriqué le module de caméra 360 le plus sophistiqué à l'heure du Club Rockets. Puis ça, ce ne sont que quelques exemples des améliorations qu'on a faites. Donc, je vais vous expliquer aussi le pourquoi qu'on a fait ça. Cette année, on a eu une grosse déception. On nous a annoncé qu'on ne pourrait pas faire partie de la catégorie avancée. Pourquoi? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont inscrites à la compétition et du fait, les organisateurs ont dû choisir. Ceux-ci ont jugé que notre projet de moteur, maison, n'était pas assez « wow ». Ce qu'on leur a répondu, c'est que de vendre la Lune, mais de ne pas être en mesure de la livrer, ce n'est pas de l'ingénierie. Cette année, on a décidé qu'ils ne nous feront plus le coup l'année prochaine. On va leur présenter un projet tellement simple, mais technologiquement audacieux, qu'ils n'auront pas le choix de nous reprendre. Donc, on a décidé de faire deux fusées dans la même catégorie, mais chacune avec une innovation technologique, d'où les défis que nous avons relevés. Maintenant, mesdames et messieurs, membres et invités, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous dévoiler nos deux fusées de compétition, soit Hémerion 4, lâchez pas les gars, et Amarok, nos deux fusées pour la catégorie de base de l'IREC 2016. Ce n'est pas un concours, mais j'ai l'impression que d'année en année, les fusées sont de plus en plus hautes. Puis à la vitesse que ça va, dans une couple d'années, on ne pourra peut-être plus faire le dévoilement ici. Okay. Je suis rendu dans la partie de mon discours la plus profonde, la plus engagée, puis j'aime ça faire ça chaque année, Carl, je sais que tu tripes. J'assistais il y a quelque temps à une soirée de financement à l'ETS. Et j'ai été captivé par le discours d'un entrepreneur, monsieur de Gaspé-Beaubien. Celui-ci parlait d'entrepreneurship, de leadership et de la rage. De la rage qu'il a que le Québec, par chaque année, des gens brillants. Pourquoi? Par des faiblesses politiques et sociales à vouloir développer la technologie ici, chez nous. Ça m'a fait réfléchir. Réfléchir à ce que je voulais faire et à ce que notre devoir à tous. Je crois, comme cet homme et plusieurs autres, que le Québec a un rôle clé à jouer dans le développement de nouvelles technologies. Mais encore plus, je suis persuadé que le Québec se doit d'être une plaque tournante de l'innovation et du développement de nouvelles compagnies en technologie. La richesse d'une société se bâtit et se construit par les gens qui en font partie. Tout comme une société, une entreprise ou un projet, la force de toute organisation, c'est les gens qui en font partie. C'est l'équipe. Ce soir, le message que j'aimerais vous léguer, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que les gens qui sont dans cette salle, les étudiants qui ont travaillé sur les projets, les futurs étudiants ou les personnes qui ont déjà étudié, sont les bâtisseurs, sont les créateurs, sont les inventeurs de ce Québec technologique, prospère et intelligent. Soyons fiers de ce que nous sommes. Arrêtons d'avoir peur d'échouer. Et montrons au monde entier que nous sommes déterminés et passionnés. Propulsons nos rêves et notre passion bien au-delà du ciel, car après tout, ne sommes-nous pas que poussière d'étoiles. Parce que vous êtes le carburant de nos projets, vous propulsez nos rêves bien au-delà de l'imaginaire.
Merci de croire et rêver comme nous que demain sera construit aujourd'hui. Le Club scientifique et moi souhaitons remercier tous nos partenaires de contribuer à ce merveilleux projet d'aujourd'hui et de demain. Merci aussi, un gros merci au Cosmodôme de nous accueillir ce soir, car vous donnez à cet événement, à nos projets, toute la crédibilité dont ils méritent. C'est important. Merci aussi à toute mon équipe pour votre dévouement et votre dévotion. Vous êtes le cœur, vous êtes le sang de ce projet-là. Puis les actions que vous faites à tous les jours donnent vie à ces rêves. Il ne faut pas que je l'oublie. Merci. Merci aussi à tous ceux qui se lèvent le matin à nos côtés. Merci à ceux... C'est important. C'est très important. Merci à tous ceux qui nous encouragent, nous aident à avancer. Merci, ma belle Caro. Cette année, oui, elle mérite. Cette année, c'est ma dernière, puis je t'en serai éternellement reconnaissant. Merci. Finalement, merci à vous tous d'être venus ce soir. Vous me rendez tellement heureux et tellement fier de ce qu'on fait, puis vous nous le démontrez. Merci. Et pour vous remercier, je vous invite dans quelques instants à venir nous voir au kiosque afin de voir de plus près nos projets et poser toutes les questions que vous voudrez à notre équipe et à Thomas. Bonne soirée, merci.